Cette femme qui danse sur la chanson de Wham, c'est Nadia El-Bouroumi. Et ce n'est pas vraiment n'importe qui. Dans le procès dit des viols de Mazan, où Dominique Pellicot est accusé d'avoir violé et fait violer par des dizaines d'hommes sa femme Gisèle, préalablement droguée et endormie, Nadia El-Bouroumi est l'avocate de deux des 51 hommes accusés. Et quand on sait ce que veut dire « wake me up before you go » en anglais, « réveille-moi avant de partir », beaucoup y voient une référence directe et provocatrice au sommeil dans lequel était plongée la victime alors qu'elle était violée. Face à la polémique provoquée par cette publication sur Instagram, l'avocate a de son côté expliqué que ce « wake me up » n'était pas destiné au procès des viols de Mazan, mais bien plutôt à tous ceux qui doivent se lever tôt avant d'arriver à la faire se taire, en référence à ceux qui l'insultent depuis le début du procès. Cette semaine, au cours de l'audience, l'avocate s'est aussi fait remarquer lorsque 27 photos qui montrent Gisèle Pellicot nue ont été diffusées dans la salle d'audience à la demande de deux avocats de la défense. En demandant à Gisèle Pellicot si elle avait des penchants exhibitionnistes, un avocat a fait sortir la victime de ses gonds et c'est là que Nadia El-Bouroumi est intervenue. Alors je sors du procès Pellicot. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais, elle avait participé à quoi que ce soit. J'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre, parce que nous, on est dans un procès qui est un procès cour criminel, donc obligé de démontrer l'argumentation de notre client et notamment par ces photos-là. S'il est libre de s'exprimer, en prêtant serment, l'avocat s'engage aussi à préserver la dignité des débats et de la personne humaine. Dans le procès des viols de Mazan, Nadia El-Bouroumi n'est pas la seule avocate de la défense à avoir fait parler ces derniers jours. Isabelle Crépin-Dehaene, qui assure également la défense de deux co-accusés, a publié ce commentaire sur LinkedIn. Procès des viols de Mazan, Nabila ouvre une cagnotte pour Gisèle Pellicot. Dommage, elle aurait pu vendre ses seins en plastique. Elle a depuis supprimé cette publication. Le procès des viols de Mazan doit durer jusqu'au 20 décembre.